Hey, bonjour à tous, c'est l'été dragon et on se retrouve pour la suite du let's play de Resident Evil 0, épisode 2. J'espère que vous allez bien. Donc bah, du coup bah, je vais sauvegarder comme prévu. Voilà. Donc alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il y a une plaque qu'on pouvait ouvrir avec Cohen. Parce que là on est comme ça, d'accord. On va prendre Cohen. Enfin Billy, on va plutôt l'appeler Billy je crois. Alors du coup Billy. Oh putain, on a plus de balles. Hein. Voilà, on avait ça là, levée de panneau. Ouais, donc ça on avait vu, je crois que c'est. Bah on est pas loin je crois d'ailleurs. Oh putain, ça m'a fait peur la porte. Ça je crois que c'était là. Merde, je me trompe de bouton. D'ailleurs je vais peut-être venir avec elle hein. Parce qu'il y a plus de balles, on est un peu dans la merde. Ouais, c'est ça. On va peut-être se rapprocher tous les deux là. Ouais. Attends, il n'y a pas un bouton pour. Je sais pas, moi, pour l'appeler là. Directement. Et là. Ouais. Ah, mais attends, j'ai un autre truc là à côté. J'ai une mallette, c'est quoi ça? Changer. Que ça. What? Ah, on m'a pas changé de tenue? Mais non. La veste quoi. MDR, j'avais des autres tenues. Oh! Trop classe! Ça a aucun sens, mais. Attends, il y en a une pour elle aussi. Non. Ah, c'est excellent ça! Rebecca. Oh, mais il y en a plein en plus. Cowgirl, mais non. Cuir. Non, énorme. Ah, vous me direz ce que vous préférez. Hein. Attends, je vois. Resident Evil 0, la Resident Evil. Elle est pas comme ça dans Resident Evil 1. Ce serait étonnant. On va voir, on va tester comme ça. On va tester les. Oh. Ah ouais, sexy. Pas mal. Hein. Et l'autre, c'est quoi l'autre? Cougar quoi. Pas mal aussi. Hein. Lui, il n'en a qu'un. Hein. Bon, puis on fera un épisode, on changera à chaque épisode, on verra, je sais pas. Allez, on va laisser le cuir pour celui-là. Ok, du coup, allez. Faut pas qu'on oublie, on a le spray en haut. Hein. Ouais. Mais problème, vu qu'on a pas beaucoup de place. Ah, bah voilà, ça change de tenue de merde qu'on avait là. Franchement. Bah, ça va, ça fait plaisir. Oh merde. Bon, on peut se permettre, on a pas mal de balles. Ah, il y en a deux. Non. Je repars. On va voir si ça le fait respawn. Alors, endroit d'avant. Non, oh, arrête. Ils sont résistants. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Et elle m'a été là, moi. Ça, du coup, attends. Ah oh, putain, je vais m'emmêler les pinceaux, ça va être comique. Alors, est-ce que je peux voir en haut là? Ok, niveau 2. Ah, le problème, c'est qu'il y a des objets en haut. Hein. Faudra pas qu'on oublie. Et le problème, et ouais, parce que je suis à moitié blindé, donc. Je crois que ça va être très relou. Pas avoir de mal.
En plus, je crois bien que c'est le seul Resident Evil, il n'y a pas de mal, quoi. C'est assez... Oh non. Oh putain. Oh merde. J'ai une plante verte au pire. Voilà. On trace. Oh putain, elle est par derrière, oui. On trace, on trace. Ouf, ça passe. Ah, ça va être chiant. Ok, là. Oh, la tenue de Billy, quoi. On va peut-être lui donner des balles à lui. Attends. Échanger. On peut choisir ou pas? Parce que bon. Ah, ils ont pensé. Ok. Alors, on donne 30. Voilà. Comme ça, Billy. Hop. Tu. Voilà. Il peut être équipé de ça. Il est en mode attaque, ouais. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, on verra. Ok. Allez, go, on va aller voir ce qu'il y a dessous. Dans le vide sanitaire. What? Ah, d'accord. C'est un vrai que c'est un conduit. Oh putain! Oh putain! Ok. Ah mais Billy il est pas venu hein. Je crois qu'il allait venir moi mais non. Ok non. Il est où Billy là? Oh Billy, putain. Attends mais pourquoi il me suit pas Billy? J'ai pas activé le truc qui suit je crois. Ah, il suit pas. Comment on fait là? Ah, il est en mode solo. Comment on fait pour le mettre en mode. Appuie sur le pad, je crois. Ça parle pas? This way. Ok. Ah, ça y est. This way. Faut appuyer sur le pad tactique. Ok, ça y est. D'accord. Pad gauche, a priori. Alors, le bal de pompe, on va le donner pour lui. Ok, on peut prendre le bidon d'essence. Ah, toi, tu vas prendre. Ouais. Ok, on est déjà dans la merde. Voilà. Niveau. Niveau emplacement. Voilà, ça va vraiment être trop lourd en fait. Hein. Là, on peut commencer à s'en rendre compte. Encore un truc là, putain. Prendre l'objet anneau d'or. Qu'est-ce que c'est que ça? Fissement ciselé. Ouais. Ok, bon, je sais pas quoi ça sert du coup ça, un nouveau pour mettre quelque part, ou peut-être il va falloir le combiner avec quelque chose. On verra. Oula. Déverrouillage, l'actionner. Vas-y hein. Pas bien marché cette affaire. Oh, un grappin est accroché au mur. What? Il y a un grappin. Il manque quelque chose là. Il y a un frein manuel ici. Il vous faut une carte magnétique. D'accord. Ok, donc on est d'accord que.
attends, parce que si je fais ça. Attends, mais ça c'est 2 secondes là. Attends, on va faire plutôt l'inverse. Attends. Est-ce qu'on peut le faire à... Bah ouais, mais... Comment je... Non. You stay here. Okay. Let's go. Okay. Okay. Alors, attends. Il y a pas moyen de faire activer ça là. Qu'est-ce qu'il fait? Non, reste là toi. Attends, mais fais quoi là? Roger. Let's regroup. Okay. Non. Okay. J'essaie de comprendre. Faut vite que je change de bonhomme pour vite activer, pour prendre le grappin là. Okay. Je sais pas pourquoi elle prend pas là. Il doit y avoir une manu que j'ai pas dû comprendre, je pense. Vu qu'il t'explique pas. Ok, c'est bon. Enfin, je pense. 2 blocs pour le transporter. Oh là là, ah, d'accord, c'est vraiment de la merde. Oh, comme ça va être relou. Ah ouais. Effectivement. On peut dire que ça va être relou. On va donner ça. Hein. Ah mais il n'y a plus de place, je suis con. Oh putain. On va le poser par terre. Hein. Super. Les balles. Hein. On va les donner à lui au plat. Ok. Ah, pourquoi ça reste ouvert hein? Bon, j'ai rien compris, c'est pas grave. Allez, on prend le grappin. Je sais pas. Ça, c'est du grappin, avertissement. Ne doit servir qu'à l'inspection des toits difficiles d'accès ou l'attelage de trains spéciaux. En jeu après l'utilisation. À l'extérieur de la petite fenêtre, près de la porte du niveau 1, d'accord, la voiture 3 se trouve dans une échelle. Appuie sur la détente pour que le crochet s'accroche en lui. Il troll. Une fois le crochet en plein, utilise le troll pour. Attention, ce grappin ne suffit qu'une personne à la fois. Il paraît à 80 kg. Ah merde. Ah, c'est peut-être juste pour elle du coup. Sinon, lui va tout casser. Je pense qu'il va être trop lourd. Ok. Ok, donc là il faut une carte, bah ok on rentre. Ok donc il y a Kull qu'il faudra faire porter. Il y a encore un truc ou je rêve là? Non. Parce que là... Au pire, je suis con, hein. Les rubans, je devrais les laisser par terre à côté de la machine à écrire. Hein. Eh oui, hein. Franchement, parce que là, ça, c'est complètement débile en fait. Ah, ok, on a débloqué le raccourci du coup. Eh bah oui, je suis con. Les rubans, je les jette par terre à côté. Hein. Ça veut dire qu'on soit chier à les emmener. Hein. Je viens juste d'y penser. Hein. Oh la vache, quand j'ai peur. Oh la vache, je me suis chié dessus. Oh! Arrête Billy, calme-toi, garde les balles! Oh la vache, je me suis chié dessus!
quoi ça? Ah putain, y'a plus de place. Ok, donc là il y a une bouteille de je sais pas quoi, on verra plus tard. C'est chiant. Alors du coup, faut qu'on utilise le grappin. Ah du coup, mais là il va tirer là. Ouais. Oh putain. On dirait qu'il a un flingue meilleur que le mien. Hein. On va laisser tirer. Hein. On va passer. Oh non. Il est complètement bugué. Ah non, c'est moi qui fais bugger avec l'analogue, quoi. Et si je passe, ça fait quoi là? Est-ce qu'il me suit? Ah, c'est chelou, hein. Contrôler les deux bonhommes là. Je vous jure. Ah putain, il vient pas de con. Oh là là. Ça sent le fail. Bon. Elle tire. Ok. Let's go. Ok. Bah oui, bien. Qui est con lui. Ok, j'ai vu une fenêtre là déjà. Ok, on va aller poser le. On va poser les rubans. On va essayer de regarder d'être con. Oh, il va falloir jouer stratégique. Hein. Au pire, toi, tu peux rester là. You stay here. Voilà, reste là. Tiens, je reviens. Et là, il y a 15 000 zombies, tu sais. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de balles. Je vais pas trop faire le malin. C'est là, je crois. Ok. Comme ça, je pose le ruban là. Voilà, c'est hop là. Ça, ça fait au moins une place. T'as un grappin qui prend deux places. Ah, c'est vraiment désenflé quand même. Hein. Oh le fusil qui prend deux places. Ah, oh, ils sont sérieux les mecs. Ils sont dit que c'était une bonne idée ça. D'accord. Bien sûr. C'est l'idée du siècle. Bah oui. Follow me. Ok. Follow me. Bah en fait non, toi tu vas rester là. You stay here. Voilà. Yeah. Attends, faut que j'active. Ah merde, c'est pas bon en fait. Ah, c'est plus là. Une échelle cassée. Attends, mais je peux pas. Ah, putain, je suis en danger, oh merde! Faut que je me soigne là, j'avais pas vu. D'accord, ils ont mis un grappin, ils sont cru dans Tomb Raider en fait. Ok, on retourne dehors, cool. Bah, comme ça me fait deux places maintenant. J'aurais peut-être dû prendre des balles, hein. Oh putain, s'il y a des zombies, on est dans la merde. Du coup, je vais où là? Bah, j'ai pas le choix. Là. Ok. Il y a un trou. C'est trop vraiment stylé là par contre. Bon, j'ai pas le choix. Mon copain dans la brèche. Entrer dans la brèche, bah ouais. Oh putain, et ouais, voilà. Vite. C'est quoi ça? Couteau. Oh putain. Ok, il y a un truc là. Boîte à bijoux. Là je dis attention. Ça c'est chaud quoi. Est-ce qu'on a tout pris là? Ça a l'air.
J'ai plus de balles hein, par contre. Hein. Oh non. Oh merde. C'est dégueulasse hein, par contre. Oh non. D'accord, ça m'a remis là. Ouais. Il y a quoi dans la base à bijoux en fait? Ouais, mais ouvre-la, je sais pas moi. Bah oui. Ah, tiens, il y a le deuxième. Anneau d'argent. Est-ce qu'on peut pas les combiner, tiens? Non. Ah, mais je suis con, c'est pour la manette, peut-être. Merde, elle est pas là, la manette. Oh putain, on l'a posé, je sais pas où. Attends. C'est là, concrètement, je suis où là? Oh, ça va être chiant. Mon dieu. Ok, Billy est juste en bas. Le problème c'est que la malade, je sais plus où on l'a mis. Elle doit être en haut, non? Attends, on va appeler Billy. Billy à la rescousse! Qu'est-ce qu'il y a, Billy? T'es malade toi aussi? Non, c'est bon. Donc Billy, tu montes. Oh, Billy! Oh merde. Oh putain. Ça attaque ça? Peut-être prendre le couteau, je sais pas. Carte. Ok, elle est juste à gauche. Je vais voir s'il y a la manette là-bas. Est-ce que j'ai de la place? Eh non, j'ai pas de place, quel con. Je rentre. Je vais poser par terre ou je donne à la miss. Ah mais on va perdre tellement de temps avec ça. Avec ces conneries là. C'est un truc de fou quoi. Tu fais quoi? Je pose le pompe hein. Allez, je pose le pompe. C'est vraiment de la merde de faire ce truc là. Je sais pas comment ils ont pu avoir cette idée là. Du coup, elle, est-ce qu'on la laisse là? On va la laisser là, elle. Pas la peine qu'elle vienne nous enquiquiner. Je sais qu'on couteau tout. Faut qu'on retrouve la manette. La manette, elle doit être là. Je sais plus où on l'a mis en fait. Se rappeler tout quoi. Elle est pas là non. Ah il y a des rubans. Non putain. Là il y a un soin. On va prendre les soins. Du coup c'est pas ça. Et je me trompe encore de bouton. Aïe aïe aïe. Ok donc orange c'est les... Putain faut que je note les couleurs je crois. Orange, c'est les rubans encore. Ça va être un bordel ça. S'il faut tout noter. Dans chaque salle, tu l'as posé aussi. Ça va être chouette. Ok, elle est là. Prends la manette, bordel. Qu'est-ce qu'il dit ce con? Prends la manette! Oh putain. Quel bordel. Ok, si on pourrait résoudre ça déjà, ça fera deux emplacements de moins, hein. Donc c'est cool. Alors. Maintenant. Oh putain. Est-ce qu'on peut prendre directement... Oh c'est chiant. Je laisse partir ça. Ah. J'aurais dû faire l'inverse en fait, mais bon. Ah, c'est relou, hein. Ah ouais, je comprends maintenant.
Ah, c'est ça. Ce qui était logique. Ok. Là maintenant on va l'ouvrir ça. Ouais, faut peut-être l'examiner. Ok. Bah oui, faut l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout ça pour ça? Ah putain, on a la carte d'accès. Ok. C'est, donc c'est pour aller dehors, j'imagine. Le porte électronique de la locomotive. Ok. Parfait. Alors du coup, maintenant. Toi, tu vas prendre tes soins. Non, pas le fusil. Oh pute. Oh, ça va être méga relou. Voilà. J'ai encore une place. Le problème, c'est que Billy, il a plus de place. Alors, ce qu'on va faire. Oui. Échanger. Je vais t'en prendre. Ça s'en est plus chiant. Je prends tout. Je te prends tout. Comme ça, lui peut prendre le pompe. Voilà, c'est ça. On a un soin chacun. Voilà, ça en est bon. Tac. Billy, tu prends le pompon. Et on est parti, dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que je donne le pistolet à Billy? On va le laisser au couteau. Ouais, allez. J'ai peur qu'il use trop toutes les balles ce con en fait. Ok, je me trompe encore de bouton. Je peux mettre la carte de là en fait. Du coup il nous reste des rubans, mais on n'a plus de place, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est pas grave, les rubans sont pas trop importants. Go! Faut qu'on sorte dehors. Ah, ça va être le let's play de comment se débarrasser. Et Billy, vient pas. Oh putain. J'ai bu de l'activer. Ça va pas trop lourd, ça, tiens. Follow me. Follow me. Allez, Billy, on sort en boîte. On est bien en bonne tenue là. Boss the night. Ok, donc du coup, faut qu'on sorte, tout à droite. Oh Billy, arrête de faire le con, Billy. Ok. Bon, on a fait le ménage, on est tranquille. La bonne nouvelle de la journée, finalement. Ah oui, il y a ça à récupérer aussi. Mais bon. Putain, là, c'est relou. Hein. En plus, t'as pas de mallette et en plus, t'as 50 000 objets à prendre, quoi. Ils ont fait exprès. Hein. Et sinon, est-ce qu'il peut juste prendre les balles pour se mettre dans le chargeur? C'est interdit, d'accord, c'est interdit. Merci. Merci le jeu. Toujours un plaisir. Ok. Ah oui, on a mis le bidon d'essence là. Enfin, je me rappelle de ça aussi. La caméra, elle a changé ou quoi? Alors, ça c'est pas moi qui l'ai. Aïe aïe aïe. Ça va être un enfer. Un enfer ça. Quoi? Bah. Il vous faut quoi? Carte magnétique. Eh bah. Putain, c'est quoi ça? Ah, c'est pas ça, merde! C'est pas ça.
Ah putain, c'est peut-être l'autre côté du train finalement. Il nous restait une porte qu'on n'avait pas ouverte, je crois. Ah ouais. Bah la sauvegarde, bah comme ça on s'en gardera. Tiens. C'est vraiment. Ouais, ça va être un calvaire, hein. On est d'accord. Ouais, donc là, ouais, ce système, franchement, ça nique tout le jeu, je trouve. C'est vraiment dommage, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Du coup, on va faire encore plus de kilomètres que comme si on avait là, à cause de la mallette. Déjà que dans le 1, on en faisait beaucoup, mais alors là, ça va être encore pire. Dans celui-là, hein. Ça va être une catastrophe. Ah puis ça va être bien pour se regarder. Enfin qu'on pose un truc par terre, qu'on récupère le ruban. Ah ça va être sympa ça aussi, tiens. Alors du coup, putain, je pose un bordel par terre. Bah ouais, laissez, vous avez pas mis de mallette, bande de cons. Oh putain. Mais oui, mais elle est par terre, là, je la vois. Oh, quel enfer. Il doit nous en rester un, je crois. On va le reposer. Hein. Ah non, encore deux. Oh, bah, ça... bon, je pense que le ruban, on va pas trop emmerder finalement. Je me demande si on prend le spray là. Hein. J'hésite à le prendre. Hein. Le couteau, il me sert à quoi le couteau? Vous savez quoi, on va laisser là spray. C'est assez le bordel comme ça. Je pense que le mieux c'est qu'on stocke ouais, vraiment à côté de la salle des machines, hein, comme à écrire. Comme ça on sait un peu près où c'est, on n'est pas trop emmerdé. Ah ouais, c'était pour là, bah oui. Allez, ouvre-moi ça là. C'est aussi la bonne carte, alors maintenant dis-moi pas que c'est pas la bonne. Hein. Ah, ça j'allais te dire, attends. Yes, oui, jette-moi cette merde. Ouais, viens. Oh, d'accord, c'est coupé le contrôle. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train completely. Attends, mais c'est. How far away are you from the nearest? Attends, mais c'est pas Wesker ça? About 10 minutes, dude. Huh? Ok, vas-y, toi. Ok, ça fait que pas les sons. Ok, ouais, c'est Wesker, je crois là. Hein. Bien fait les sangsues, hein. Dégueulasse mais bien fait. Bon. Ok, il va détruire le train donc. Il reste 10 minutes. Autant vous dire que... Ok, ils sont là. Endommagé, il y a moyen de le réparer. Ok. On va aller voir Wesker. Ah bah il s'est barré, comme ça. Je sais pas comment il s'est barré mais il s'est barré.
train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Allez. Alors, utilisation du frein. Commande du frein. Voici les trois étapes préalables pour l'utilisation du frein. Étape 1, activer les commandes. Les commandes du frein se situent dans les endroits suivants. Oula, voiture, compartiment du conducteur. Arrière de la voiture 5. Pour activer le système, insérer la carte magnétique dans l'appareil de la voiture 5. Inventaire de l'électricité. Ça a l'air compliqué. Là. Entrer le code de l'unité arrière. Ok, je prends mon calepin. S'il faut écrire un truc. Entrer le code de l'unité arrière pour débloquer le verrouillage. Ensuite, entrer le code du compartiment du conducteur. Par contre, j'ai pas allumé ma lumière, je vois rien du tout. Mais bon. Entrer le code du compartiment du conducteur. Oh lol. Oh merde, ça a l'air compliqué là. Qui va rester à l'arrière? Non, ça, moi. Billy. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Ah non, je voulais faire l'inverse, mais c'est pas grave. Rebecca. Okay. Huh? Rebecca. Don't screw up, okay? I won't. I won't, elle est écrite. Oh putain! Oh le stress. Carte magnétique. Oui. Attends, j'ai rien compris. Faut que je retourne derrière alors. Oh, mais on n'a pas de temps là. Attends. Ah, c'est plus tard. Ok, je me barre. Faut que j'aille à l'arrière du train alors. Oh putain, avec la musique qui stresse. Ah oui, c'est là où il fallait faire code. Ok, on trace, on trace, on trace. On a pas le temps. On a que 3 minutes. What? Ça va être chaud. Évidemment, il y aura plein de zombies, hein. 3 minutes, quoi. Ouhouhou. Putain, faut repasser à l'autre bout, quoi. Vite, vite. Bah allez, zombies des zombies. Ah. Oh, plus dans le train, on n'a pas de place pour s'écarter. C'est ça le problème. Oh non. Ah oh, putain, c'est l'autre. Notre collègue là. Oh la tête. Edward, c'est Edward. Edward aux mains d'argent. Là, c'est Edward aux mains de sang. Oh non. Don't come any closer. Oh non. Oh putain, on n'a pas le temps, Edward. Tu fais chier, Edward. Je trace, moi. Edward aux mains d'argent, aux mains de sang. Et c'est chaud au niveau du timing, le temps, là. Hein. Alors vraiment qu'on a pas mis difficile. Oh, oh le bordel. Vite. 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 Putain, maintenant faut le code. Ah, c'est quoi le code là? Attends, on a même pas le code en fait. C'est normal ça? Putain. On a pas le code. Faut peut-être le trouver tout seul. Vite. Ok. Ah oui, mais mets-le. Oh putain, mais quelle gourdasse là aussi. Ok. Vous pouvez utiliser pour le faire fondre le temps. D'accord. Mais j'ai pas le code. Faut arriver à 81. Faut arriver à 81. Oh, oh putain, faut faire un calcul. Attends, attends. 9 x 9, combien 9? 18. 45. 54. 3. 71, il manque 10. Yes. C'est bon. Ok, première énigme du jeu. Roger, I'll put the brake on now. Oh putain, c'est pas fini. Oh non, il y en a un autre là. Oh non! Oh putain! 36! Merde!
Attends, mais je vois pas. Ah non, mais on voit pas. Oh, 36. Et c'est chaud là quand même. Hein. 5, 10, 15, 20, 25. Attends. Faut que je fasse un calcul. Attends, il y a quand même possibilité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça? 7, 8, 10. Faut qu'on arrive à 36. 10. Non. Mais. J'ai vu des balles sous le machin là. 4 et 8 et 8. 16. Ça va être trop quoi. 16, 19, 21. Aïe aïe, faut que je calcule là. Non, faut que je calcule là. Attendez voir. Oh, j'ai pas envie de me louper là. Ah oh, putain, c'est chaud. Ah. Aïe aïe aïe. Divisé par 10, 3,6. Ah mais ça va rien dire 3,6. Ah non! On va jamais y arriver! Oh putain! Je fais un calcul. Si je mets que des 3, ça fait 30. Il nous manquera 6. Donc faut que je mette 4 à 6. 4 de 6, alors attends. 4 de 6. Merde! 4 de 6, on a dit. Ah putain, c'est relou ça. Merde, c'est pas ça. Comment j'ai calculé, moi? Bah, c'est pas ça, non? Non, il manque 2. Il m'en faut 6 de 4. 6 de 4. 6. 1, 2, 3, 4. Yes! Ouh! Ah bah non. Ah, moi les calculs, ça fait 2. Hein. On est arrivé. Faut pas mourir maintenant. Oh putain. Quel enfer! ça sent pas bon là. Waouh. Ah ouais, d'accord. J'espère qu'on pourra récupérer les affaires dans le train. Hein. Oh non. Je crois qu'on s'est scratché. Oh putain. Comme ça, c'est de la merde par contre. Oh, on a oublié plein de trucs. Oh. Rebecca. I'm here. Oh putain, on a tout perdu là? Non. Are you all right? Hey, you managed to stop the train. Ah oui, on l'a arrêté, oui. Oh. Il est comique lui, non? Oh non. Attends. Je fais quoi là? Allez hop, on y va, go les balles.
Oh putain. Il y a beaucoup de zombies. Merde. Putain. Je sais pas si je devrais user les balles comme ça. Hein. Oh putain, je crois qu'on fait n'importe nawak là. Et tous les trucs qu'on a oubliés dans le train. Oh. Ça c'est dégueulasse par contre. Qu'est-ce que t'en sais qu'on allait s'arrêter quoi? Ah non, ils ont tout remis là je crois. Ah, attendez voir. On dirait que c'est tout par terre là. Attends, je reprends la fille. Ah non, je crois qu'ils ont remis là. Ah bah c'est cool alors, d'accord. J'ai rien dit. Du coup, c'est quoi cette bouteille en fait? Mais. Tu peux la prendre ou c'est interdit? Une bouteille vide? Qu'est-ce qu'on fait avec une bouteille vide quoi? Pour faire des cocktails? La remplie de quelque chose. Ah bah avec l'essence là. Non, merde. Putain, mais je fais quoi là? Oh, c'est tellement de la merde, ouais. Encore du ribas? Attends, bah il va les prendre, il a de la place lui. Ok, peut-être qu'on va se soigner en fait, hein. Attends, on est où là? Parce que bon. Une porte rouge. Ouais, mais. Faudra peut-être éteindre le feu là. Elle a pas l'air bien là. On va soigner la madame là. Comme ça, ça. Il va prendre les bouteilles à la place. Voilà, comme ça elle se soigne. Putain, elle a trop de boutons. C'est l'enfer. Hein. Ok. Ok, comme ça, ça va mieux. On récupère l'autre soin. Au pire, choix de lui, hein, on verra. Eh ben. Quel bordel. Ouais, je crois que je m'étais arrêté là moi la première fois. Hein. Voilà. Là, je connais plus. Ouais. Après le derrière du train, voilà. Ça doit être ça. Oh non, déjà les égouts? Non. Ils sont sérieux? Je crois qu'il y a un point de sauvegarde, mais même pas en fait. Attends. Il a que 2 balles. Oh putain. Bon allez go. Ça sent pas bon. Hein. T'as déjà les égouts? Ils ont déjà plus d'idées déjà. Aïe aïe aïe. Accès réservé aux personnes autorisées, il semble. On peut monter là? Ah. Ok, il y a une échelle. Allez, on y va. Ça me rassure, on remonte. Un petit point de sauvegarde, on ne dira pas non. Ok. Cinématique. Vous voyez, c'est là, c'est pas refait, les cinématiques, c'est assez moche. Oh, un manoir. Encore. Attends. Est-ce que c'est le manoir du 1? Ah non, c'est un de recherche. Ah, excellent. Ah ouais, les cinématiques n'ont pas été refaites, c'est dégueulasse. Oh la tête! Ah! General Manager, Dr. James Marcus. Attends, c'est le même manoir que le 1, quoi. She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? Ah, d'accord, ça je comprends. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Up
obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Et c'est Birkin à côté là, je crois bien. It was I who scattered the T-virus in the mansion. Ah, mais attends, c'est pas eux qu'on voyait dehors, hein, en haut de la falaise. Contaminated the train too. What? Revenge on Umbrella. Oh, la musique. Dark Soul, quoi. Il va revenir à la vie, lui. Il est pas mort. Coucou. 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. Ah bon. You helped them, didn't you? Ok. Oh, ok, un manoir excellent. Ah ouais, encore un manoir du coup. D'ailleurs. Attends. On arrive d'où, nous? Ok, il y a un point de sauvegarde devant moi. Eh ben, on va s'arrêter là, je pense. Ok, ah oui, c'est la fête du slip, là. D'accord. Vous savez quoi? On va faire comme ça. On va prendre les rubans et après on les posera par terre. Bah, c'est cool qu'il y a les plantes à côté. Mais pourquoi ils ne mettaient pas une mallette, là? Putain, mais... Il mettait une mallette, tout le monde était content. Hein. C'est quand même dingue, hein, quand même. Je sais pas, je comprends pas. C'est incompréhensible, hein, quand même. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là, 52 minutes. On va sauvegarder. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis des mallettes. C'est assez hallucinant, quand même. On va mettre le 3, on sait jamais. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bah, on progresse, ça y est. On vient de derrière avec le train. On va visiter ça au prochain épisode. Le hall, voilà. Du centre de recherche de Umbrella, on dirait. Donc, bah voilà. Et bah, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.